Ici même, parmi les plus hauts sommets, on dit qu'il existe la plus précieuse des pierres, un diamant d'une beauté sans égale. On dit aussi qu'il est le cœur de la montagne, échappé du fond de la terre lors de la création des Alpes. Rares sont ceux qui l'ont vu, car il se cache quelque part parmi ces sommets enneigés. Nombreux sont les alpinistes intrépides qui ont bravé les cimes italiennes, suisses et françaises en quête de ce diamant mystique. Pourtant, le joyau demeure insaisissable, cachant son éclat au-delà des horizons explorés, gardant son mystère intact et caché dans une contrée inexplorée. Depuis les extrémités des Alpes, de mon Tyrol natal, moi, Erwin Eckle, je suis parti à sa recherche. La quête de toute une vie a débuté en 1934. J'ai parcouru les territoires enneigés, de massif en massif, de montagne en vallée. Ma quête m'a conduit jusqu'à Albertville, la porte d'entrée du pays du Beaufortin. Dès cet instant, j'ai ressenti que le diamant n'était plus très éloigné. C'est ici que l'histoire prend véritablement son envol. À mesure que j'avançais en altitude, je percevais de plus en plus l'aura du diamant. J'ai croisé des Savoyards qui m'ont partagé avec passion leur lien avec cette terre riche pour leurs troupeaux. Leurs vaches contribuant à façonner un trésor exceptionnel, le Beaufort, un fromage sans égal. Mon ascension s'est poursuivie pour m'amener jusqu'au col à la vue somptueuse. On le nomme le col des saisies. J'ai toujours su que le diamant était ici, quelque part, veillant sur ce territoire magique. Je n'en suis plus jamais parti. Dans les années sombres de la guerre, le diamant brillait, nous enveloppant de ses rayons protecteurs. La lueur persistait, portée par le parachutage de l'espoir en août 1944. Dans le potager, le jardinier arrose ses lettuces. Le 31 juillet 1944, un message codé sur les ondes de la BBC annonçait le parachutage d'armes, de vivres et de matériel au col des saisies, programmé le lendemain, mardi 1er août, à 11h du matin. Des bombardiers, dont l'US Air Force, larguèrent 899 conteneurs, armant près de 3000 hommes. Nom de l'opération, Ebonite. Le vaste plateau des saisies, dégagé des deux côtés, facilita le largage et le repli des maquisards en cas d'attaque allemande. Ainsi, les saisies devinrent un symbole de la libération de la Savoie. À mon arrivée aux saisies, je me suis efforcé de tirer pleinement parti du potentiel du diamant protecteur, cherchant à partager sa force avec les habitants et les vacanciers. J'ai construit un hôtel, puis plusieurs appartements et chalets ont commencé à sortir de terre. Ce col des saisies s'est petit à petit métamorphosé avec l'engouement des voyageurs et des locaux, afin de devenir celui que vous connaissez aujourd'hui.
et la magie opéra. L'énergie du diamant a ouvert la montagne au monde avec la construction de la première remontée mécanique en 1946 par Raymond Clément Guy, juste à côté de mon hôtel. Georges Bréza a été le tout premier moniteur de ski à l'hôtel Le Signal de Bizen. En 1937, les écoles de ski telles que nous les connaissons aujourd'hui n'existaient pas. Les moniteurs étaient souvent affiliés aux hôtels. C'est avec Georges que j'ai fondé la première école de ski des Saisies. À l'hiver 1963, nous étions une des seules stations à bénéficier de neige. On surnomma les Saisies le grenier à neige. L'attente devant le téléski de Bizane était tellement longue qu'on plaisantait en disant qu'on avait largement le temps de lire un roman policier. Dans les années 1970, les premiers complexes touristiques ont été construits. Et avec le temps, le tourisme a continué de croître. Ainsi, les skieurs ont pu profiter des pentes enneigées de notre domaine. Depuis, il n'a cessé d'évoluer et de se moderniser. Cette montagne est devenue un havre de paix pour les passionnés, pour les petits comme pour les grands. En 1992, les Jeux Olympiques d'Albertville ont marqué les esprits de la France, de la Savoie et également des Saisies. Notre station a été le théâtre des épreuves nordiques, accueillant les plus grands athlètes internationaux. Franck Picard, l'enfant du pays, fut médaillé d'argent de ski de descente. Il a tracé le chemin des champions. Depuis, notre terre a continué à voir naître de grands athlètes. Clara Direz en ski alpin et Justine Brezaz-Boucher ou encore Julia Simon en biathlon. Une atmosphère incroyable emplissait le stade olympique, où différentes nations se mêlaient au public.
La médaille d'or remportée par l'équipe féminine française de biathlon restera gravée dans la mémoire de la station. Ce fut un moment inoubliable. Lorsque la montagne laisse son blanc manteau, c'est un monde nouveau qui s'offre à mes yeux. Ici, au Saisy, un joyau alpin niché au cœur d'une montagne douce et préservée. L'été est une véritable invitation à la découverte, à l'aventure, à la détente et à la convivialité. Au détour des sentiers, nous nous laissons envoûter par la quiétude des alpages, où le paysage dévoile ses charmes intemporels. Des vaches paisibles vaguent à leurs occupations, contribuant à la fabrication du célèbre fromage Beaufort, symbole authentique de notre terroir. C'est une expérience intemporelle, connectée à la nature et aux traditions locales. Pour les amateurs de sensations fortes, les Saisies proposent une multitude d'activités sportives. Chaque journée devient une aventure en plein air. Et en tant que destination familiale par excellence, les activités adaptées aux petits et grands nous attendent pour des moments inoubliables, entre rire et complicité. Aux Saisies, l'été est une expérience où la nature, la tradition, la culture et les rencontres s'entremêlent pour créer des souvenirs impérissables. Durant la saison estivale, notre station s'anime avec une variété d'événements, festivals, marchés artisanaux, spectacles folkloriques. Chaque moment nous offre l'occasion de partager, d'échanger et de célébrer ensemble. Au Saisy, nous sommes plongés dans une expérience où l'histoire se mêle à la tradition et où la nature et le patrimoine sont chéris. Nous parcourons nos villages pittoresques, nous imprégnons de la culture locale et découvrons la richesse de notre héritage. Au sommet de cette vallée enchantée, notre belle station est un endroit merveilleux, rempli d'histoires magiques. Les montagnes qui nous entourent sont comme des pages blanches, prêtes à accueillir de nouvelles aventures. Notre station, empreinte de féerie et d'histoire, continuera de briller comme une étoile grâce aux diamants qui l'illuminent. Merci aux femmes et aux hommes qui ont façonné ce territoire. Inutile de chercher une pierre précieuse. La quête de cette pierre magique était en réalité une quête de bonheur infini, celui de vivre dans ce lieu incroyable. Ainsi, je termine mon histoire
avec le cœur plein d'émotions, portant en moi le bonheur infini que ces montagnes et que les saisies nous offrent.